Donc, alors attends, j'attends que tu démarres. Voilà. Bonjour Joël et bonjour Emmanuel. Bonjour Pascal, bonjour Emmanuel. Donc, je te Bonjour. présente Emmanuel qui va travailler pour toi au cours de ta session. Enchantée de te connaître. Voilà. Eh bien, écoute, je t'invite à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. Nous t'écoutons, Joël. Alors, je commence par en 1965, j'ai eu un accident de voiture. J'ai fait avec mes parents, j'ai fait un tonneau, enfin voilà. Donc j'ai pas eu de séquelles apparemment, mais bon, je sais pas parce que bon, j'étais jeune, donc à cette époque-là, on nous emmenait pas facilement chez les ostéopathes ou chez les docteurs. Enfin bref, apparemment, j'avais rien de particulier. Voilà. Après, Et j'ai eu un accident. alors pourquoi tu en parles alors, s'il n'y a rien de particulier? Eh bien, parce que en fait, j'ai des problèmes cervicaux. Alors je préfère que tu me dises problèmes cervicaux et on va voir voilà D'accord. ce qu'il en retourne. D'accord? D'accord. Ok. Voilà. D'accord. Bon, alors c'est pareil pour l'accident de moto. Enfin, l'accident de moto, je suis restée une dizaine de jours à l'hôpital aussi, à 20 ans, Ouais. j'avais. Là aussi, c'est pareil. J'ai rien eu de spécial, en fait, c'était simplement une observation. Donc, là aussi, je D'accord. suppose que j'en parle non plus, alors. Bon, non, ça sert à rien. Voilà. Parle-moi des Donc, problèmes seulement. je pense, On est là voilà. pour les problèmes et les vraies D'accord. questions. Voilà. Ouais, alors, après, voilà. Là, donc, après, j'ai subi des opérations. Donc, je les énumère. Oui. Utérus, appendicite. Mais là, c'est pareil, j'ai rien eu de spécial. Ce sont simplement des opérations. Mais bon, est-ce qu'on peut appeler ça D'accord. un Oui, problème? vas-y, vas-y, oui. Mais aujourd'hui, si tu veux tout ça, y a pas de conséquences. Non, il n'y a pas de Hein? conséquence, Enfin, dis toujours quand pas. même. Alors, t'as Toujours appendicite, oui. pas. Utérus appendicite, il y a 5 ans, j'ai eu l'ablation, j'ai eu une ombilicale du sein gauche, du mamelon, donc ça veut dire clairement, voilà. Parce que bon, D'accord. c'était pas cancéreux, mais il préférait m'opérer, voilà, donc. J'ai eu une luxation à la hanche avec une traction et puis un pneumothorax aussi. Donc, ben, c'est pas que j'ai des problèmes respiratoires, mais voilà, enfin, je pensais que c'était des choses importantes que je devais énumérer. Oui, vas-y, Voilà. vas-y. Oui. Non, si, Bon, fais ça, c'est bon. alors j'ai des problèmes de genoux. Donc, j'ai eu ma luxation à la jambe gauche. Donc, j'ai le problème de genou. Alors, on me dit que c'est de l'arthrose, mais bon, voilà. Bon, toutes ces opérations, j'ai eu des anesthésies générales à chaque fois. Voilà. D'accord. J'ai un adénome hypophysaire. Je passe régulièrement des contrôles d'IRM, hein, tous les 3 ans. Donc, et là, C'est un dernièrement, quoi, tu m'as dit, hein, hypophysaire? un adénome Adénome. hypophysaire. C'est quoi un adénome? Eh bien, c'est comme, on va dire, un ganglion, quoi, genre, Ah oui, d'accord, ok. voilà, qui se serait atrophié, mais qui existe toujours, puisqu'il a même grandi un petit peu, soi-disant qu'il a pris un ou 2 mm, mais il n'y a pas vraiment Voilà. d'évolution. On Il y a bien m'a à voir conseillé ça. d'aller voir un endocrinologue, mais c'est tout, quoi, là, c'est dernièrement. J'ai eu l'opération aussi du genou gauche aussi, pareil. Donc, j'ai passé des radios, voilà. Et puis, j'ai eu cette D'accord. opération du genou. D'accord. Et j'en souffre toujours, d'ailleurs. Hein. J'ai Ah toujours oui. mal au genou, voilà. J'ai des implants, donc, à la mâchoire, enfin, deux implants, à gauche et à droite. Un implant chacun, si tu veux. En haut ou en bas? En haut. J'ai des maux d'estomac et des maux intestinaux aussi. Voilà, des problèmes gastriques. Alors, ça s'en va, ça revient. Hein, voilà. J'ai de l'hypertension. Si je prends, j'ai des cachets pour. Mais enfin, là, tout va bien. Dernièrement, mon bilan, il était bon. Mais bien, j'ai quand même des cachets. Tu as dit, j'ai pas compris là. J'en étais au mot gastrique. Oui, pardon. Non, J'ai mais c'est problème moi. d'hypertension. Hypertension? Ah ouais, Ouais, d'accord. voilà.
Donc, voilà, on me traite. Hein. Ouais. Voilà, mais en ce moment, tout va bien, tout est nickel. Problème de thyroïde aussi, une hypothyroïdie. D'accord, t'es un vrai dictionnaire à toi toute seule. Tu t'es dit, je vais faire mieux que les autres. Ça va faire rire les autres. J'ai la rate, qu'est-ce que c'est là? Je le vois, qui est pas droit. Non, mais il ne faut pas se moquer. Hein. Non, c'est que de l'humour, hein. Je me moque pas. Non, jamais. Mais eux, ils vont se moquer. Non, je... non, non, quand même pas. J'ai une apnée de sommeil aussi, du sommeil. Ah oui? Voilà. Donc, l'apnée du sommeil, voilà. Comment dire? Je ne sais pas si c'est à la suite. En fait, j'ai eu un choc dans le nez, un choc nasal. Je me suis tapé un poteau en 2003, en pleine face. Et depuis, j'ai une déviation nasale. Est-ce que c'est ça qui me crée des apnées de sommeil? Je ne sais pas. Parce qu'avant, je n'en avais pas. Ça s'est produit en 2003, ça. Avant, je n'en avais pas. Et quand je me mets sur le dos, si tu veux, pour m'endormir, je ne peux pas. J'ai au niveau de la gorge, ça se bloque. Je ne peux pas respirer. Je suis obligée de me mettre sur le côté pour m'endormir. Ah oui, d'accord. On va voir ça. J'ai des problèmes respiratoires. Donc, voilà, c'est ça. J'ai une sinusite chronique. Alors, est-ce que ça va ensemble? Ben, je ne sais pas non plus. Voilà. J'allais dire une autre connerie encore. Vas-y. Voilà. La marquise et la tronche. La marquise et la tronche en bière. Attends, c'est vraiment la tronche en bière, là? Ah, ce matin, j'ai l'esprit taquin ce matin. Je suis le premier cas que tu rencontres. Non, mais non, non. Non, ça, c'est parce que j'ai envie de rigoler un peu sur ton dos. Tu comprends? Oui, avec ta cousine. Pardon, j'ai lâché c'est le mot. C'est pas grave. T'effaceras, comment dire. Oui. Bon, mais j'ai sommeil aussi un peu perturbé. Je me réveille à 4h ou 5h ou 3h du matin. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. C'est d'accord. Fréquent, donc je suis obligée de prendre de temps en temps des cachets pour dormir. Si je veux faire une nuit complète. Bon, et après, j'ai eu des problèmes de foie. Donc, j'ai eu des transaminases élevées. D'accord. Donc, et dernièrement, là, au mois de novembre, décembre, tout s'est réglé. Mystère, boule de gomme, voilà. D'accord. Et puis, alors, en novembre, j'ai eu une très grosse fatigue. Comme si tu veux une grippe, hein, alors que j'étais vaccinée. Alors, est-ce que c'est le corona, ça? Oui. Ah, ça, c'est le corona. Ah oui, oui, oui. Ah ben non, il faut te faire piquer, là. Voilà. Ouais, alors, moi, je dis l'euthanasie, il n'y a plus de solution. Autrement, elle risque de te tuer. Hein. Je suis contre l'euthanasie. Hein. Ah ben mince, alors. Voilà, donc, pour te dire, j'ai tout ce qu'il fallait, j'ai tout ce qu'ils appellent le corona. Hein. J'ai dit, ouais, tiens, ben, c'est même écran. Ça m'a duré quand même jusqu'en janvier. Mais, non, mais on t'arrache une dent, on va dire que c'est le corona, ça sent. Donc, Non, bon. Mais j'ai une très grosse fatigue, j'ai perdu du 3 kilos, j'étais pas bien, une toux persistante, enfin une grosse toux, j'étais obligée d'aller voir dans un premier temps mon généraliste, après la maison médicale parce que j'étais pas en forme, j'étais complètement à plat, ça jusqu'en janvier. Et depuis, j'ai des quintes de toux de temps en temps, voilà. D'accord. J'ai perdu l'odorat aussi, j'avais perdu le goût et l'odorat. J'ai pas appétit non plus, donc ce qui m'a fait perdre mes 3 kilos. Voilà. On m'a donné des antibiotiques en janvier, et voilà. Bon, bah depuis, j'ai une toux, de temps en temps. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que je peux te dire aussi? Bon, alors là, je vais te parler de... Je ne sais pas si ça rentre toujours dans le physique. Oui, pendant mon accouchement, j'ai eu une anesthésie générale. Et j'ai eu un dédoublement. Enfin, je me suis dédoublée. D'accord. Donc,
J'entendais tout ce qui se passait dans la pièce, quoi, voilà. Tu n'es resté que dans la pièce ou... J'entendais rire mes médecins parce que je racontais le film que j'avais vu la veille. Ah oui. Et tout le monde rigolait. Et je voyais donc les médecins, je me voyais, j'étais voilà, j'étais au-dessus. D'accord. Voilà. Ils m'ont enlevé, ils m'ont enlevé mon bébé à la naissance, j'ai pas pu l'avoir sur le ventre tout de suite, ils l'ont mis tout de suite en couveuse. Donc voilà. Que dire d'autre? Voilà, ça c'est bon, c'est pas. Voilà, je pense que là, dans le plan physique, c'est à peu près tout, quoi. C'est déjà pas mal, hein? Oui, là c'est. Qu'est-ce que je. Alors, qu'est-ce que Ouais. tu as d'autre alors maintenant, Alors, à part le plan physique? le plan émotionnel, par exemple, Oui. donc, est-ce que. Alors, donc, j'ai donc par mes parents, j'aimerais savoir pourquoi je me suis incarnée dans cette famille, voilà, mes parents. Pourquoi j'ai Ça c'est choisi ces la simple parents? putain de question. Oui, d'accord. Voilà. En sachant que j'ai eu des parents quand même assez absent envers moi, aucune affection, aucune tendresse, aucune considération, rien. J'étais rabaissée par mon père, abusée sexuellement, et autoritaire aussi. Donc j'ai eu de la maltraitance verbale aussi, tout le temps rabaissée, tout le temps sous-valorisée. Des J'ai valeurs eu du temps. une mère soumise aussi, donc qui ne disait jamais rien, qui ne me défendait jamais. Voilà. Voilà, qui était dans le déni, enfin, qui laissait faire les choses, quoi. Et qui était bien au courant de cette situation, je pense. Qui ça? Ma mère. Ah, d'accord. Qui était bien au courant Ok. de ce que mon père, voilà. Et les abus, on dirait combien de temps sur toi? Les habits, on va dire qu'on dirait une dizaine d'années. 10 ans quand même. Ah oui. Voilà, donc Ok. je craignais énormément mon père de par son autorité. Donc j'avais pas un mot à dire à table et tout ça, je me faisais toujours voilà, je recevais, j'avais la maltraitance physique autre que ça, hein, voilà. Ok. Et qu'est-ce qui a fait que ça s'est arrêté un jour alors? Eh bien, parce que c'est moi qui ai pris la décision un jour de dire stop quand j'ai rencontré, si tu veux, mon premier amour. J'ai réalisé qu'en fait, ce qu'il me faisait, ce n'était pas normal, quoi. Ah oui. C'est à ce moment-là que tu as réussi, C'est que tu à as ce moment-là réalisé. que j'ai Ah oui. réussi à, voilà, à Tu lui avais dire quel ça. âge? Eh Quel bien, âge j'avais avais-tu? 18 ans. À 18 ans. Oui. Ok. Très bien. Alors, quoi d'autre? Alors, alors ma mère, un jour j'en ai parlé à ma mère, elle a nié évidemment, mais bon, voilà, ça c'est autre chose. Alors je me demande pourquoi je suis mal aimée et je sais que je n'ai pas été désirée à ma naissance. Ça, je le sais, j'en ai la certitude. D'accord. Donc, je lui ai dit, elle est dans le déni, c'est pas, voilà. Donc, D'accord. et je voudrais savoir pourquoi cette répétition avec mes ex-compagnons, parce qu'à chaque fois que j'ai fréquenté, bien, je me suis retrouvée un peu dans cette même situation, un peu, comment dire, abusée sexuellement, enfin, me prendre un peu pour un objet sexuel, quoi. Chaque D'accord. fois, à peu près, je suis tombée sur le même type de gars. Voilà, donc j'aimerais savoir pourquoi. D'accord. Voilà, et sur le et toujours là-dedans, en fait, quand le père de mon fils, pareil, quoi, c'est un père qui était plus ou moins agressif verbalement et mentalement, verbalement et physiquement, pardon, en plus de sa jalousie, donc là aussi, c'est pareil, j'ai été plus ou moins. J'ai été frappée, oui, voilà, on va le dire carrément, quoi. D'accord. Et mon fils, si tu veux, répète la même chose Ah envers bon? ses ex-compagnes et moi. D'accord. Alors, maintenant, il s'est calmé parce qu'il a 30 ans,
Mais jusqu'à l'âge de 20 et quelques années, eh bien, il est agressif. Il l'est encore un peu, si tu veux, mentalement. Il parle un peu agressivement. Des fois, voilà, mais il a été physiquement agressif avec moi. Bon, on le fera venir hein, dans la séance. S'il accepte de venir, bien sûr. Oui. Et son père nous a délaissés, si tu veux, à la naissance, quoi. Voilà, il était par Monts et par Vaux, il se faisait voir et de temps en temps, tous les 2, 3 ans, il revenait et je l'acceptais et repartait et ainsi de suite, quoi. Donc c'est moi qui l'ai élevé seul, en fait, Pascal. D'accord. Donc Ok. voilà. Ok. Et bon, bah, écoute, voilà, hein, j'ai. Voilà, puis je voulais parler aussi des animaux, que j'ai une hypersensibilité, si tu veux, envers les animaux, que je suis très, très sensible et très émotive à chaque fois que je vois de la maltraitance sur les animaux. Je ne peux pas m'empêcher de pleurer, enfin. D'accord. Voilà, je suis végétarienne et voilà, quoi. J'ai des chats à la maison et des chats qui sont très proches de moi, qui voilà, qui. D'accord. Très bien. Est-ce que tu as d'autres choses? Eh bien, écoute, non. Non. Non, j'ai bien ressassé tout ça. Je pense ne va rien avoir oublié. Et c'est temps, voilà. Bon, eh bien écoute, on va partir pour l'aventure. Hein? Oui, Je te laisse d'accord. couper le son, tu sais comment on Oui. fait? Oui, elle m'a montré Solange. Hein, là, oui. Alors maintenant que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence. 190. Très bien. Alors tu peux l'augmenter. Ça monte et en même temps que ça monte, ça libère ma gorge et une sorte de poids que j'ai au niveau du foie et de la vésicule biliaire. Très bien. Ça monte 8 000, 9 000, 12 000, 14 500. 14 500. D'accord. À présent, connecte-toi à moi et dis-moi comment tu me vois. Deux cent quatre-vingt-dix. Donc je m'aligne sur toi à 14 500. Oui. Très bien. Juste pour la curiosité, connecte-toi à Joël et dis-moi comment tu la vois. Il y a une résonance en fait. Elle est à 90. Il y a une résonance avec moi. Ah, C'est pour ça que je ressens le foie. le niveau du foie et au niveau de la gorge. Il y a cette résonance. C'est comme ce qui vient, c'est des photographies anciennes sur des plaques, tu sais, les plaques de verre. Ouais. Chaque plaque de verre étant à des fréquences différentes, et il y a le reflet de choses similaires. D'accord. Ok. Donc, elle est à, pour répondre à ta question, elle est à 90, mais ça suit un alignement précis. Et elle peut être plus. Elle est dans une situation où son énergie est comme abaissée, aplatie, depuis sa venue sur le plan terrestre, dans cette incarnation. Très bien. Alors, puisque tu es connecté sur elle, donc continue à voir ce qu'il y a à voir.
il me revient à l'image ces plaques de verre avec les photographies à l'intérieur. Oui. C'est comme si toute son énergie avait été capturée. Dès son arrivée sur le plan terrestre et comme congelé ou quelque chose comme ça, avec interdiction qu'elle puisse s'en servir à son plein potentiel, c'est-à-dire lui est juste laissé ce qui lui est nécessaire pour survivre dans cette dimension. Et le reste est comme inactivé et comme contenu et aplati dans cette plaque de verre. D'accord. Et quand tu dis interdiction, c'est un terme de s'en servir. De qui est cette interdiction ? Il y a des êtres qui sont penchés au-dessus. Qui font environ 2,50 m. Ils sont blancs, humanoïdes, mais blancs comme de la porcelaine, légèrement translucides avec ses grands yeux noirs qui partent sur les côtés. Il n'y a pas de pupille apparente. Et il y a quelque chose de... C'est comme s'ils étaient en demande de quelque chose. C'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes en difficulté d'existence et ils se branchent en quelque sorte comme une, comme on le fait avec une prise électrique sur l'énergie humaine. D'accord. Ça vient compenser leur dégénérescence. Ok. Et d'où est-ce qu'ils viennent ceux-là ? Ils sont sur le plan terrestre, mais dans la quatrième dimension et en souterrain. Et d'où vient leur dégénérescence ? C'est comme s'il leur manquait. Leur ADN s'effrite. Il leur manque des morceaux d'ADN, ça s'effrite, ça se détruit en autodestruction. D'accord. Et c'est dû à quoi ? Il semble que cela vienne d'expériences faites sur eux-mêmes, dans un but d'amélioration, mais qui s'est inversé et retourné contre eux. Au départ, c'était un peu plus pacifique ou ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Il y a des similitudes avec les humains. D'accord. Grande similitude. Et originellement, ils viennent de la Terre ou ils sont venus à un moment donné de leur histoire d'ailleurs. Écoute, je dis ce qui me vient. C'est comme si c'était, c'est comme s'ils étaient issus d'une sorte d'hybridation. Entre les humains et un autre peuple qui a perduré, qui a réussi à rester en vie, en quelque sorte. Et là, ils sont dans une sorte de poche d'espace-temps qui, pour nous, ici et maintenant, est en fait notre futur. Et c'est comme s'il venait se nourrir sur nous pour retrouver leurs racines, pour continuer à survivre. D'accord, ok.
Bon, on va revenir sur Joël. Voilà, donc tu vois ces êtres-là, ces êtres blancs. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Ils sont accompagnés de ces sortes de chenilles blanches qui vont infester les organismes humains au niveau digestif. Et ils sont avec eux, c'est comme s'ils résidaient dans la même zone. D'accord, et pourquoi est-ce qu'ils envoient ces chenilles pour infester les organismes humains? Ce n'est pas eux qui les envoient. Ces chenilles sont là, c'est une question de fréquence, c'est parce qu'ils sont à la même fréquence. D'accord. D'accord. Qu'est-ce que tu vois d'autre alors? En arrière-plan, de ces êtres-là qui rôdent, je les vois rôder auprès des humains comme en parallèle. Ils sont assez présents, dispersés, mais présents. Mais c'est comme si c'était en quelque sorte quantité négligeable et qu'ils sont repoussés dans leur tentative de survie à tout prix. Ils sont repoussés par des reptiloïdes qui sont là et qui se servent du canal qui a été ouvert par eux. D'accord. Donc en arrière-plan, c'est les reptiloïdes. Ah d'accord. Et tu veux dire que ces entités sont repoussées par les reptiloïdes? Ou c'est les reptiloïdes qui sont repoussés par ces non. entités blanches? C'est comme si ces entités-là, de par leur proximité avec l'humain, ouvrait le passage et permettait l'accès plus facile aux humains. Pour les reptiloïdes? Oui. Ah d'accord. Ils ouvrent le passage aux reptiloïdes. Alors quel rôle jouent les reptiloïdes en relation avec elles? Ça leur ouvre l'espace, ça leur ouvre des portes. Et ça leur permet quoi? Ils se servent des humains comme d'essais. C'est-à-dire que ces reptiloïdes-là que je vois rejettent leur propre karma sur les humains. C'est-à-dire qu'ils utilisent les humains pour vivre leur karma à leur place. Ah oui, et de quelle manière? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu appelles leur karma? Tout ce qui est loi de cause et de conséquence. C'est rejeté sur les humains qui vivent à leur place. Comment est-ce qu'ils arrangent pour les rejeter sur les humains? En organisant en quelque sorte des situations, des scénarios dans lesquels sont placés les humains et qui vivent littéralement les situations à leur place. C'est possible grâce à des branchements de type énergétique qui sont faits entre ces entités-là et les humains. Ah oui, en faisant des branchements, ça permet de transférer leur karma. Où est-ce que tu les vois, les branchements, en ce qui concerne Joël? C'est au niveau de l'arrière de la tête, c'est au niveau du cou.
Ça redescend le long de la colonne vertébrale. Et il y a une accroche de correspondance qui est faite au niveau du coccyx. D'accord. Et là, est-ce que c'est une chose qu'on découvre aujourd'hui? Est-ce que c'est à tous les humains ou c'est spécifiquement à Joël? Ce n'est pas tous les humains, mais elle n'est pas la seule à subir cela. Quel pourcentage d'humains à peu près subissent comme ça des karmas qui ne leur appartiennent pas? Parce que finalement, il s'agit de ça. Oui, c'est ça, c'est comme si elle ne vivait pas sa propre vie. Elle subit les conséquences de leurs actes. Oui. Et ce genre de transfert est possible. Oui. D'accord. Quel pourcentage tu vois d'humains qui subissent ce genre de, on va dire, de malhonnêteté? Est-ce que tu parles de l'ensemble des humains? Oui. Oui, sur tous les humains, combien sont soumis à ce genre de prédation? Environ 20%, 15 à 20, entre 15 et 20%. 20% d'humains? D'accord. Ok. Bon, alors attends, je vais prendre 2 minutes pour le noter quelque part, parce que ça, c'est important. Voilà. Ok. Alors maintenant, est-ce que si tu scannes tous ces corps, est-ce que tu vois des implants, dispositifs ou autre chose qui n'appartiennent pas à ces corps? Elle est comme dans une sorte de filet énergétique. Et à chaque point d'intersection de ce filet, ça vient correspondre à des zones de commande chez elle au niveau physique, au niveau de ses organes et de ses systèmes. D'accord. Qu'est-ce qu'il a installé ce filet? Ce sont eux. Eux reptiliens ou eux les blancs? Ce sont les blancs qui ont installé le filet et les reptiloïdes qui se servent de ces points d'entrée. Tu veux dire qu'ils les ont installés pour les reptiloïdes ou ils les ont installés pour eux et les reptiloïdes s'en servent? Ils les ont installés pour eux. Et dans quel but pour eux alors? Pour survivre. D'accord, pour récupérer l'énergie. Oui. D'accord. Pour récupérer l'énergie et pour tenter de copier les fonctionnements, de récupérer en faisant des copies les fonctionnements biologiques de l'humain pour tenter de récupérer leurs fragments d'ADN détruits. D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce que tu vois d'autre comme système alors? Un plan ou autre dispositif? Ce filet la recouvre complètement, mais ça la parcourt aussi intérieurement. Et ça vient perturber en fait. Tous au niveau physique, ça crée beaucoup de perturbations à plusieurs niveaux. On peut inclure toutes les maladies et tous les problèmes qu'elle a évoqués. Oui, ça vient comme faire des déviations énergétiques et les circuits d'information et d'énergie ne circulent pas correctement, c'est dévié. Donc, cela crée des choses qui ne devraient pas être.
Bien sûr. À part ce filet, est-ce que tu vois d'autres choses? Au niveau de la nuque, c'est quelque chose d'assez gênant. C'est comme s'il y avait deux dispositifs l'un sur l'autre. Il y a celui que j'ai vu tout à l'heure, qui est relié au coccyx et qui passe le long de la colonne vertébrale. Et Relié c'est au comme si, carma. oui, et c'est comme si posé par-dessus, il y avait encore une sorte de boîtier qui sert, c'est comme une sorte de bouton d'allumage en fait. C'est comme si cela mettait dans des états de conscience. On peut pas dire que ce soit modifié, mais à côté, c'est comme si ça pouvait la déplacer. Mais c'est subtil, hein. C'est comme si ça pouvait la faire changer de plan en fonction de ce dont ils ont besoin. D'accord. C'est comme s'ils arrivaient à lui faire varier son taux de fréquence. Elle change de dimension, quoi. En quelque sorte, oui. Comme l'événement qu'elle a eu dans cette hospitalisation au cours de l'anesthésie où elle s'est vue au-dessus. Est-ce Oui, que c'est ça qui a déclenché? ça a littéralement sauté. D'accord. Dans l'état habituel des choses, c'est simplement des réglages à plusieurs niveaux. Mais cette fois-ci précisément, ça a littéralement sauté. C'est pour ça qu'elle est sortie. Tu veux dire que ça a échappé à leur contrôle? C'est ce que tu Oui, appelles sauter? oui. D'accord. Ça a été plus loin que ce qu'ils voulaient. C'est ça. D'accord. Alors, est-ce que tu vois d'autres choses encore si tu continues à regarder? Pour l'instant, c'est tout. Bon, alors identifie son ADN, confirme-moi qu'il s'agisse bien de Joël. Oui, c'est elle. Demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Alors, puisqu'elle me donne son plein pouvoir au cours de cette session, en son nom, je vais convoquer toutes les entités qui sont en lien direct et indirect avec elle, qu'elle le veuille ou non, qu'elle se cache ou non, où qu'elle soit. Je compte à trois et elles t'apparaissent toutes devant toi. Un, deux, trois. Alors, il y a ces êtres blancs en porcelaine, accompagnés parce que sur la même fréquence de ces sortes de vers. D'accord. Il y a les reptiloïdes et puis il y a autre chose aussi. Regarde. C'est elle, mais c'est pas elle. Il y a une copie d'elle, tu veux dire? Oui. Ce sont ces êtres blancs qui l'ont copié, non? Ils l'ont copié, oui, ils l'ont copié comme base de travail. Sauf que il y a une confusion. Est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est la copie? À chaque fois, il y a une confusion. D'accord. Et souvent, son essence se trouve dans cette copie en pensant que c'est elle. Oh, carrément. Parce que la copie est parfaite. D'accord, ils ont pris son ADN et ils ont fait un clone, quoi. Oui. C'est ça. Et la partie supérieure arrive à se gourer, son essence. La partie subliminale, quelquefois, est dans la partie physique vraiment, et quelquefois, est dans cette copie, et c'est là où il y a cette sorte de confusion. Et qu'est-ce que ça implique dans la vie de Joël, cette confusion? Elle peut se réfugier d'une partie à l'autre. Quand la situation vécue est insupportable, elle change
comme si elle changeait de maison. Elle passe de l'un à l'autre. Donc de la 3D à 4D. Oui. D'accord. Parce que cette copie est en 4D, évidemment. Oui. Et ils ont fait cette copie pour pouvoir travailler au plus près d'elle, quoi. C'est ça. Pour pouvoir... c'est comme une interface qui permet d'avoir tous les éléments sans avoir à descendre jusqu'au plan 3D. Et comme cette copie écrite avait parti de son ADN, donc elle est reliée à cette copie. Oui. Et tout ce qu'ils font sur cette copie, elle le subit dans son corps. Oui, et elle s'en sert aussi pour aller s'y réfugier. Dans des situations pénibles. Oui. Ok. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu vois d'autre alors, à part cette copie d'elle-même? Est-ce que tu vois d'autres entités, d'autres présences? En arrière-plan, il y a comme une sorte de bruit sourd, de vent violent, de tempête sombre. C'est les archontes qui sont en arrière-plan. D'accord. Et qui se repaissent de cette situation. Ben oui. Ils s'en nourrissent. Ça les fait se gonfler. Ok. Plus pour longtemps. Bon. Tu vois d'autres choses ou pas? Non. Alors, très bien. Donc, elle va déclarer qu'elle rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, et de manière rétroactive. Sur tous les plans, toutes les vies, toutes les fréquences, toutes les dimensions, tout espace-temps et toute bulle de création. On ouvre un immense portail dimensionnel et tout le monde s'en va, tout ce qui a été vu et pas vu. En termes d'entité et également en termes d'implants, dispositifs ou autre chose qui n'appartiennent pas à ses corps d'origine. Je compte à trois et tout disparaît avec les traces, mémoire, empreintes, programmation, système duplicatif et reproductif. 1, 2, 3. De manière fractale, quantique et multidimensionnelle. Ça disloque aussi cette copie. Et elle me demande si elle doit continuer à la disloquer. Bien sûr, totalement. Est-ce que ça va pas emporter des parties d'elle, dissoudre des parties d'elle? Elle retire toutes les parties d'elle, toutes les parties qui sont à elle, elle les récupère. Et elle dissout tout le reste. Oui, c'est fait. Très bien. Ok. Est-ce que tout le monde est parti? Oui. Tu la scannes, regarde s'il reste quelque chose. Si ces gros vers sont encore là, si il reste quelque chose de cette toile. Tu scannes tout avec trace, mémoire et empreinte. Il n'y a plus rien, mais elle est fine, légère, trop légère, fragile. Ok, on la met déjà dans une bulle de protection, plastique. Elle va d'abord s'ancrer au cœur de Gaïa. Et elle va se connecter à son essence. Et se ravigorer avec les deux énergies. Elle répare ce qui doit l'être, remplir tous les espaces vides. Réparer ce qui doit l'être. Et se requinquer, reprendre de la puissance. Oui, c'est mieux. C'est mieux. Très bien. Ok. Alors, on va aller voir maintenant son soi supérieur. Dis-moi où est-ce qu'il se trouve. Il est sur le plan morentiel et il est serein. D'accord. Il observe la situation avec curiosité. Un bon sujet d'étude. Très bien. Regarde son âme.
Elle est immobilisée parce que ce qui vient, c'est qu'elle a été trompée. Donc, comme elle ne sait pas que croire ou qui croire ou sur quelle base s'appuyer, elle a comme arrêté sa fonction, comme on arrête le temps. Et elle est en suspens. D'accord. Quand tu dis qu'elle a été trompée, qu'est-ce qui s'est passé? C'est par rapport au double. Ah, d'accord. Elle ne sait pas qui est la bonne enveloppe, c'est ça? Oui. Donc du coup, voilà. Ok. Très bien. Bon, eh bien, on va aller voir déjà. Dis-moi comment est-ce qu'elle a eu de vie sur Terre, de vie humaine en 3D, hein? Il en vient beaucoup, beaucoup. 550, il vient. 550, d'accord. Ok. Alors, j'aimerais que tu regardes avant la toute première vie, j'aimerais que tu me dises d'où elle venait. Donc, je compte à toi, ton esprit t'emmène. 1, 2, 3. Je la vois... très légère, l'essence est très légère, avec comme des ailes très fines et transparentes, translucides, comme une libellule. C'est léger, pacifique, elle se laisse porter par les courants. Elle est sur quel monde là? Je sais pas, mais c'est beaucoup plus léger que la troisième dimension. C'est dans notre univers ou c'est un autre univers? C'est même impalpable. Il semble que ce soit l'espace terrestre, mais beaucoup, beaucoup plus léger. Quelle dimension? Comme une sorte d'autre version, beaucoup plus légère. 12e. 12e, sur Terre alors. Ok, et avant la matrice terrestre, avant la matrice de cet univers, où est-ce qu'elle était? Parce qu'elle en est encore sur le plan terrestre. Et avant ça, d'où est-ce qu'elle venait? Ça m'emmène sur un autre espace où je ressens simplement son essence, mais où il n'y a pas de forme. Il n'y a pas de forme. Je ressens simplement son essence, c'est tout. C'est le plan moronciel. Non, c'est en dessous. Parce qu'il y a une notion de dualité qui a déjà commencé à émerger. C'est comme le début de quelque chose. Le monde donc archéabilique alors. Et qu'est-ce qui l'a poussé à entrer dans la sphère matricielle? Est-ce que c'est volontaire ou est-ce que ça a été provoqué? C'est comme si c'était une décision... la décision d'un collectif. Ah oui. De qui s'agit-il? Quel collectif? C'est blanc et noir. Un collectif blanc et noir qui porte les deux polarités. Quand je dis blanc et noir, c'est symbolique. C'est un collectif qui a les deux polarités, oui. À quoi ressemble-t-il? Regarde. De quoi est composé ce collectif blanc et noir? C'est comme s'il y avait une sorte d'assemblée avec deux clans. Et il y a nécessité de trouver
des accords. Et pour trouver ces accords, il est nécessaire de passer par l'expérimentation, parce que dans la nécessité de trouver des accords, c'est parce qu'il y a une nécessité d'avancer. C'est comme si un plan allait disparaître, que ce collectif-là était situé sur ce plan et que pour passer, pour sauvegarder la mémoire de ce collectif et le transporter en quelque sorte sur un autre plan viable, il y a nécessité de passer par l'expérience et le lieu le plus adéquat semble être le plan terrestre parce que le plus riche. D'accord. Mais à quoi ressemblent ces êtres qui constituent cette assemblée? Quel type d'êtres sont là à prendre des décisions? Il n'y a pas de forme. Il y a simplement, c'est des ondes, c'est comme si c'était des ondes. D'accord. Et ils sont de même nature que Joël? Elle fait partie de ce collectif? Oui, elle en fait partie. À la base, les ondes sont de même nature. D'accord. Donc elle ne se soumet pas, c'est une décision commune, dans un but précis. Oui. Donc c'est volontaire, intentionnel, décidé. Oui, il y a une décision commune volontaire et ensuite chacun est parti de... Ça s'est séparé, chacun est parti de son côté. Ça constitue combien d'êtres? Quand il dit chacun, ils sont combien? C'est des myriades, c'est comme une pluie, c'est impossible de compter les gouttes. D'accord. Ils sont tous entrés dans la matrice artificielle? À différents niveaux, oui. Des myriades, ok. Et quel rôle ils jouent aujourd'hui sur nos plans? On en fait tous partie. On en fait tous partie. Oui. Tous les humains? Ah oui, tous les humains. C'est pour ça que je dis il y a sur tous les plans. D'accord. Et il y a des séparations qui semblent même quasiment impossibles. C'est comme si on avait qui était descendu trop bas. Oui, il y a tous les plans, quoi. Oui. Tous les humains sont partis de ce plan-là. Les humains qui sont humains, oui. Ah, les humains humains, c'est-à-dire ceux qui sont en dehors des 70% de portail dimensionnel. Oui. Les 30% sont partis de là? Oui. Ah, c'est intéressant ça. Ok. D'accord, d'accord. Et donc là, quand ils parlent de là, ils sont sans forme dans ce monde. C'est dans le monde archaïque. Et dans quelle dimension ils sont là? Toujours en 12e? Non. C'est des ondes. Ils sont dans quelle dimension là? De là où ils sont, c'est 18e. Et c'est 10. Des ondes. Donc ils sont dans le monde archaïque, mais ils n'en sont pas soumis aux lois, c'est ça, en 18e dimension? C'est ça, ils se servent de ces lois comme d'un outil. D'accord. Oui, comme ils font l'usage des contrastes pour s'exprimer, se manifester, c'est ça? Oui. Hein? Ok. Des contrastes, des polarités comme, c'est ça. Comme moyen de manifestation. C'est comme un dessin. Quand tu utilises le crayon noir pour dessiner sur une feuille blanche ou l'inverse, c'est un outil de création. C'est ça. Ou une photographie. Si tu enlèves une photographie noire et blanc. Si tu enlèves tout le blanc ou tout le noir, il ne reste plus rien. Oui. Donc pour que la manifestation puisse avoir lieu, il faut qu'il y ait ces contrastes. C'est ça. Ok. Qui dans un premier temps s'exprime dans une dualité et dans un second temps, après transcendance, unification. Oui, c'est comme si c'était un filtre purificateur, le passage par la dualité. D'accord. Une voie expérientielle en même temps. C'est ça. Ok. Très bien. Bon, eh bien, j'aimerais qu'elle se connecte avant de continuer. Je veux qu'elle se connecte
donc à tous ces êtres qui sont partis de ce plan, donc on va dire les 30% d'humains, qui ne sont pas des portails organiques, et qu'elle transmette l'information de ce qu'elle va faire. Je veux que tous ces êtres soient donc connectés, reliés, Oui. interreliés, quelle que soit leur dimension et leur état d'être. Et je veux qu'elle transmette toutes les informations de ce qu'elle va faire pour que chacun puisse bénéficier du travail que va faire Joël maintenant. Chacun à son niveau, bien sûr, au stade où il en est, dans ce qui est bon et juste et utile pour chacun. Oui. Voilà. Est-ce que tu vois que ça touche tout le monde? Oui, puisque l'essence est la même. Il y a quelque chose de commun. Donc, l'information, elle est instantanée. D'accord. Et je voudrais qu'on aille plus loin. Je voudrais maintenant qu'ils se connectent tous avec toutes les présences, qu'ils soient terrestres ou non, de toutes dimensions, et même hors dimension, toutes les présences qui sont dans l'action de libérer ce monde de cette matrice. Quelle que soit la nature, quelle que soit leur provenance, quelle que soit leur position, que ce soit intra-terre, extra-terre ou autre, morontiel ou autre, que ce soit comme un énorme tissage d'énergie, de transfert d'informations. Il se met en place un deuxième niveau de transmission. Très bien. Et je veux que chacun donc prenne l'information de ce que va faire Joël. Et en fin de séance, on va faire une méga déflagration. Oui. Ils sont OK avec ça? Oui. Très bien. OK. Donc, on va revenir à Joël ici et maintenant. Oui. Non, juste pour son histoire. Donc, elle est entrée dans cette matrice. On la retrouve donc comme cette libellule en 12e dimension sur Terre. À quel moment est-ce qu'elle a été interférée? Je la vois descendre des paliers. Il y a eu des passages. Elle n'est pas venue directement. Je veux dire par là qu'elle est venue sur le plan terrestre, mais pas directement sous forme humaine. Il y a eu comme des paliers, et c'est lors d'un de ces paliers, lors d'un passage, où elle s'est fait capter, absorber. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a eu comme genre d'expérience non humaine alors? Sans faire une liste exhaustive, hein, juste en gros comme ça. Hein. Elle est allée visiter. Elle est allée visiter les expériences des élémentaux. D'accord. C'est comme si elle avait fait le tour et que ces molécules s'étaient organisées pour faire l'expérience. Il y en a eu plusieurs, c'est comme un tour, plusieurs tours, plusieurs boucles. Et cette espèce de libellule, est-ce que c'est pas une elfe par hasard? Ou une fée? C'est une fée. Une fée. Voilà. Très bien. Ok. Bon, alors on revient donc à Joël ici maintenant. C'était juste pour la curiosité. Oui. Donc, on est bien entendu, c'est bien entendu que l'information est transférée et que chacun en profite. D'accord? Oui. Donc, elle va retourner sur le plan morontiel avant toute manifestation dans la forme. Et tu vas la retrouver à cet endroit. Oui. Demande-lui si elle sait pourquoi nous sommes là. Oui, elle le sait. Très bien. Donc, elle est d'accord sur l'idée que nous allons redescendre, recréer sa ligne de temps, sa ligne de création, en descendant directement dans cette vie de Joël.
sans passer par les autres, et tout réinitialiser. Oui. Elle connaît le monde archaïque et le monde matriciel. Est-ce qu'elle en connaît tous les pièges, tous les atours? Elle en a déjà visité une grande partie. Mmh. Sauf que là, elle choisit de venir en ligne droite sans s'arrêter. Très bien. Ok. Alors, c'est le moment. Tu me dis lorsqu'elle est arrivée. C'est bon. Très bien. Demande-lui quel est son projet maintenant dans cette nouvelle ligne de temps, dans cette nouvelle configuration pour cette existence de Joël à partir de maintenant. Brisée, elle me montre qu'elle brise toute une structure de miroir qu'il y a autour d'elle. D'accord. Une structure de miroir trompeur, de double, de... Elle casse tout, elle brise tout. Et ça lui permet de grandir. Et de voir le jour, c'est ce qu'elle me dit. Mmh. De pouvoir enfin voir le jour. Très bien, alors c'est le moment d'entrer dans l'incarnation. Dis-moi à quel moment elle choisit d'y aller en étant à 100% incarnée dans ce corps physique. Elle est à 3 mois, intra-utérin. 3 mois. Ok. Elle est connectée à quel pourcentage à son essence là? 75%. Bien. Alors, proposez de se connecter à 100%. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. Et maintenant, elle regarde son arbre généalogique. Et pendant qu'on y est, regarde qu'est-ce qui a fait qu'elle soit atterrie dans cette famille. C'est comme une impasse. Sur l'arbre généalogique, en fait, il y a des couteaux, des lames, des ciseaux. Et ça devient de plus en plus serré, de plus en plus... Il y a de plus en plus de difficultés, c'est de plus en plus tendu, il y a de plus en plus de séparation. Même jusque dans séparation, non seulement entre les êtres eux-mêmes, mais même à l'intérieur des êtres. Il y a fragmentation des personnalités. Et à quoi c'est dû ça? Il faut que je remonte le long de la ligne. Oui. Il y a eu... Tu sais, quand tu veux faire une greffe sur une plante, tu fais une incision. Oui. Et tu vas mettre autre chose et tu refermes et tu attends que la greffe prenne. Mais là, c'est comme si la greffe n'avait pas pris. Il y a eu une défense du système immunitaire, de la lignée, mais le système immunitaire de la lignée généalogique est allé plus loin et c'est comme le système s'est emballé et c'est comme attaquer lui-même. Mmh. Il s'autophage, quoi. C'est ça. Qu'est-ce qui a voulu faire cette greffe-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a tenté d'être greffé là? Ce sont ces êtres blancs, porcelaine. À quel moment t'as ligné? Est-ce qu'ils ont, ils sont intervenus dans cette greffe? Ils ont fait cette greffe? Ça remonte à 15 générations avant. Ça remonte à quelle date à peu près?
Je ne sais pas, j'ai juste le chiffre 15 qui vient. D'accord. Ok. C'est à partir de là que tout a dégénéré? Ça a commencé. C'est comme si l'incision avait été faite à ce moment-là. D'accord. Alors, on va faire une chose. Déjà, avant de continuer, on va aller à ce moment-là. Oui. Juste avant qu'il fasse l'incision. Oui. Et on va annuler cette incision. Donc, on va protéger cette, on va dire, cette séquence. On va la renforcer. Tous les êtres qui sont concernés vont se connecter à leur essence et s'enraciner et créer un bloc inatteignable, inapprochable. Y a des êtres de la lignée qui sont abîmés, très abîmés. D'accord. À ce moment-là, ils sont déjà abîmés? L'incision a pu se faire parce qu'il y avait déjà des faiblesses. Ah, d'accord. Ok. Ok, donc il faut remonter loin. D'accord. Bon. Alors, donc, on ne peut pas faire ça, alors, du coup. Si on peut, mais ça va guérir, en quelque sorte, à 90% et non pas à 100%. Bon, c'est déjà mieux que rien. Alors, on le fait. Ça referme les plaies, ça referme les incisions, ça résorbe les fêlures. Mais il y a encore les cicatrices et des fragilités. On élimine toutes ces cicatrices. Allez, à 3. 1, 2, 3. Avec trace, mémoire et empreinte. Oui, c'est bon. Et cet arbre va se connecter à sa source, à toutes les sources qui composent les membres de cet arbre. Chacun va se connecter à la source et renforcer l'arbre maintenant. Et redonner de l'énergie, de la puissance à chacun. Ça vibre, ça fait vibrer tout l'arbre. Très bien. Et maintenant, ça a même contaminé en amont donc tous ceux qui étaient déjà en disharmonie. Ça remonte jusqu'à la source même de cet arbre. Il faut ajuster la vibration parce que si elle est trop violente, ça peut faire l'effet inverse. Alors ajuste-la. Qu'elle soit ajustée à la juste mesure pour chacun. C'est bon. Très bien. Comment est-ce que tu vois l'arbre maintenant? Il est plus solide. Il a retrouvé de la couleur. C'est une analogie, bien sûr, et c'est symbolique, mais il a retrouvé de la verdure. Il y a des pans entiers qui étaient fissurés, morts. Commence à reprendre vie avec de nouveaux bourgeons. Très bien. Alors que cette action se fasse sur les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. Oui. C'est bon? Oui, c'est en train de... Ça fait un bruissement. Ça bouge. C'est bon. Très bien. On revient ici et maintenant. Oui. Et maintenant, demande-lui qu'est-ce qu'elle veut faire avec cet arbre. Elle veut le couper partiellement, entièrement. Elle veut le réaménager, ce qui est déjà fait d'ailleurs. Les parties qui sont trop abîmées, trop desséchées, trop fendillées et fracturées, elle les coupe. Très bien. Et
elle voit venir parce que c'est en ce qu'on vient de faire en fait. C'est en train de se propager dans une sorte de bruissement. Tu sais, ces reportages où tu vois les plantes qui se développent, qui s'effilment en accéléré. Là, c'est la même chose. Elle se déploie. Oui, et elle vient se brancher sur ce déploiement pour que ça aille dans les deux sens. Très bien. Alors, elle va éliminer également toutes les mémoires de souffrance, tous les schèmes transmis de dégénérescence, de dysfonctionnement, toutes les émotions négatives, toutes les pensées délétères, les croyances erronées, et tout ce qui empêche une santé physique parfaite. Et tout ce qui empêche les connexions au plan supérieur et le transfert des informations authentiques. Oui, c'est ce qu'elle fait. Très bien. Tu me dis quand elle a terminé. C'est bon. Très bien. Maintenant, elle regarde son propre ADN et elle va faire la même chose. Elle prend pour ça le schéma, donc le schéma initial divin. Donc. De l'arbre séphirotique, et elle refait tout son ADN dans la perfection initiale. Que tout soit parfaitement équilibré, tous les plans, que l'énergie circule dans tous les sens adéquats, connectée parfaitement au plan supérieur, toutes ces qualités intrinsèques maintenant qui se déploient. Oui, c'est fait. Très bien. Alors, elle va s'apprêter à venir au monde. Donc elle vient, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel et tout autour, et elle vient au monde. Oui. Elle va remonter toute sa ligne de temps. Seconde après seconde, elle reprogramme tout, en se rappelant de qui elle est, de pourquoi elle est là. Elle se rappelant de ses origines. Avec sa souveraineté, sa liberté, son autonomie. Sa pleine dignité en présence de sa propre valeur. Elle avance debout. Et de sa puissance intérieure, sa créativité illimitée. Elle avance debout dans sa lumière. Elle rayonne. Très bien. Tu me dis quand elle est arrivée, ici et maintenant. Elle est là. Bien. Alors nous allons... Donc, elle va créer un faisceau d'énergie issu de sa propre source qui va s'enrouler autour de cette nouvelle ligne de temps. Oui. Et nous allons effacer l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs sur les plans quantiques, multidimensionnels et fractales. D'accord? Donc elle va déclarer que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à cette ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes les dimensions, tout espace-temps et toute bulle de création, avec trace, mémoire, empreinte et programmation, duplication, copier-coller et tout système reproductif, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. C'est fait. Maintenant elle va rompre et effacer. Tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, promesse, accord tacite ou non, conscient ou non, et de manière rétroactive. Oui. Elle rompt avec toutes les lois matricielles et archaïques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, dans les mêmes conditions que celles précitées, et aussi toutes les lois de conséquentialité. Oui, c'est fait. Elle rompt et efface avec racine et système reproducteur toutes les attaches, les liens toxiques ou non, les chaînes, les enfermements, les attachements, les dépendances, les enchaînements dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps. C'est fait. Alors là, on va faire une phase importante. C'est nouveau dans le protocole. Donc, tu me diras si ça a son utilité. D'accord? Elle va déclarer qu'elle possède une force innée qui l'autorise à transformer son existence. Donc elle va déclarer elle-même « Je possède une force innée qui m'autorise à transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Je suis en charge de ma destinée
et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures, afin que mon avenir soit baigné de joie et de bonheur. En me libérant de tout ce qui me fait souffrir, je contrôle ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits et que j'en attends et que je crie. » Donc elle déclare « Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement ainsi qu'à m'impatienter inutilement. Ma réalité est calme et heureuse. » Elle continue. Oui. Oui, elle prend conscience en fait de... C'est comme si c'était sous ses pieds et que jusqu'à présent, elle n'avait pas réalisé que c'était possible. Alors, on va continuer. « Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. Ma réalité est calme et heureuse. » Oui. « Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Ma réalité est calme et heureuse. » Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer, à me juger âprement pour tout motif qui soit. Ma réalité est calme et heureuse. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie, ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Ma réalité est calme et heureuse. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Ma réalité est calme et heureuse. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire du souci et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Ma réalité est calme et heureuse. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Ma réalité est calme et heureuse. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers quoi que ce soit d'autre. Ma réalité est calme et heureuse. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à tout vouloir contrôler. Ma réalité est calme et heureuse. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Ma réalité est calme et heureuse. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers. Ma réalité est calme et heureuse. Oui. Et enfin, je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Ma réalité est calme et heureuse. Oui. Et maintenant, elle va rajouter. De mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. Je me pardonne également. Oui. Et je pardonne à tous et au tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales. Oui. Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents, compte tenu des systèmes matriciels en place, et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière. Oui. Comment tu la vois maintenant ? Ce qui s'est passé, en fait, c'est que elle a découvert comme un trésor, en fait, qui était à ses pieds, dont elle ignorait l'existence. Elle a pris chaque pièces de ce trésor qui sont comme des pièces de puzzle en fait en trois dimensions qu'elle a installées autour d'elle et en elle et qui sont venues se relier les unes aux autres et créer sa réalité. Elle a créé sa réalité. Très bien. Alors, est-ce que tu vois que ce rajout qui vient d'être effectué a son utilité ? Oui. Par rapport au protocole habituel ? C'est
une construction, c'est la prise de conscience que l'on a la possibilité de créer, de construire sa réalité. Très bien. Alors, on continue le protocole. Maintenant, elle va effacer toutes les peurs. C'est la prise de conscience de sa propre puissance de création. Bien. C'est bon. À présent, elle va effacer toutes les peurs, tous les traumatismes, tous les doutes, toutes les pensées racines, couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être, qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. Elle déclare « Je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal et de tous mes canaux de perception et de tous mes corps est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. » Oui. Elle va rajouter « J'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leur organisation ou association auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies repositives connues et inconnues. » Oui. Et à présent, elle déclare, enfin, « Je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance dans ma légitimité divine sur tous les plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. » Oui. Et nous allons effacer toutes les mémoires akashiques. Elle ne conserve que ce qui est bon et utile pour elle. Nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps, avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. C'est fait. Alors maintenant, tu vas scanner tous ces corps et tu vas chercher les marquages, les traçages matriciels et archaïques. Là, en fait, il n'y en a pas parce que elle est venue directement, tout droit, comme un trait de lumière. Donc, il n'y a pas eu d'accroche ni de dépôt de quoi que ce soit sur elle. Bien. Ok. Alors maintenant, on va procéder à l'intégration donc, de tous ces corps. Donc, elle va entrer dans tous ces corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique. Jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Et elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu? Comme une fleur de vie. C'est harmonieux. C'est sa base dans cette espace-temps de 3D et c'est stable, harmonieux, vivant. Très bien. Alors je veux que elle va lui demander de procéder à toutes les harmonisations, rééquilibrage, guérison, nettoyage de tous ses corps, systèmes, fonctions, organes, toute sa biologie. Et pour cela, nous allons connecter l'eau de son corps à l'eau primordiale, avec à l'intérieur une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. La molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Oui. L'électron mère à l'électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. Oui. De neutron mère au neutron primordial. Oui. Neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Tachyon mère au tachyon primordial. Oui. La particule quantique mère à la particule quantique primordiale. Oui. Particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale.
Oui. Nous allons connecter et informer la cellule mère au soleil central. C'est fait. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique. C'est fait. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Et maintenant, elle va créer et activer son code de vie. Oui, c'est fait. Elle installe et active l'arbre séphirotique dans les deux sens. Oui. Elle place et active une fleur de vie et une graine de vie. Oui. Et enfin, un double lémniscate qui active le tout en synergie. C'est fait. Très bien. Maintenant, on va travailler sur son atlas et sa colonne vertébrale. Elle déploie un dôme, mais c'est multidimensionnel. Et c'est comme s'il avait plusieurs rayons, en fait, ce dôme. C'est fractal, multidimensionnel et quantique. Oui. Et là, dès qu'elle vient à peine effleurer l'atlas, ça vient changer toute la configuration, en fait. Ça vient débloquer 1, 2, 3, 4, les quatre premières vertèbres. Ça vient les débloquer. Demande-lui qu'il fasse ça au plus près du corps, hein, au plus près possible de la physicalité. Et toi, de ton côté, Joël, tu imagines et tu fais en sorte de ressentir, d'accord? En tout cas, imagine la campagne de processus pleinement. Vas-y. Ça vient débloquer, ça vient libérer le système nerveux central aussi. Il y a des faisceaux d'énergie qui se déroulent. C'est comme s'ils étaient enroulés, bloqués jusqu'à présent et que maintenant ils sont libérés. Ça se déroule. Ça descend le long des vertèbres, tout le long de la colonne vertébrale, jusqu'au coccyx, où là, ces rayons viennent frapper comme des nœuds d'énergie qui étaient restés bloqués là. Et ça libère, ça ouvre. Ça fait comme un jet puissant d'énergie qui vient libérer, nettoyer. Et une fois que ça passait, comme cette sorte de... C'était comme un barrage, en fait, qui était installé au niveau du coccyx. Une fois que ce barrage a sauté, ça part sur d'autres plans. Ça vient libérer d'autres mémoires, tout ce qui était bloqué, comprimé, en double. Il y a de multiples copies de mémoires qui étaient restées bloquées dans des recoins d'autres dimensions. Ça vient souffler tout ça. Tout éliminer, tout repousser. Ça vient les dissoudre, les éliminer, les effacer. Et quand tout est terminé, il y a tout ce dôme multiple qui disparaît. Parfait. Très bien. Alors maintenant, je vais proposer l'ensemble des systèmes principaux à son élémental qui va travailler dans le détail de chacun et dans le global et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en liaison et interaction et synergie les uns avec les autres. Pour cela, il va travailler donc avec annuler en place chacun des systèmes. Et nous allons effacer toutes les mémoires sur tous les plans, dans toutes les dimensions, toutes fréquences, etc. Donc de cet ancien système. De manière fractale, multidimensionnelle et quantique. 1, 2, 3.
tracer un pacte également. C'est fait. Système cérébro-spinal. Oui. Système nerveux. Oui. Système sanguin. Oui. Système lymphatique. Oui. Système énergétique, des méridiens avec tout point connu et inconnu. Oui. Système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Lubrification de toutes les articulations. Oui. Système musculaire. Oui. Système cardiovasculaire. Oui. Système respiratoire. Oui. Système endocrinien, glande immunitaire hormonale. Oui. Système digestif et métabolique. Oui. Système urinaire, émonctoire, évacuation. Oui. Système reproducteur et sexuel. Oui. Système des cellules, de la peau et tissus spécialisés. Oui. Maintenant, on va faire le système des cinq sens et tous les sens extrasensoriels. Donc, on va éliminer toutes les programmations qui empêchent, limitent, restreignent tous les sens, y compris extrasensoriels. Avec trace, mémoire et empreinte, système duplicatif, reproductif. 1, 2, 3. Une gangue qui a sauté. Tous les points d'attache de cette gangue se sont dissous et tout a sauté. Très bien. Maintenant, elle va activer ses sens extrasensoriels et elle va les protéger. Oui. Système visuel. Oui. Système auditif. Oui. Système olfactif et gustatif. Oui. Système kinesthésique. Oui. Système dentaire. Donc là, tu prends le fameux tableau des fonctionnalités. Que tout soit remis en place et en ordre. Elle le réamorce. Et là, ça circule de nouveau. Très bien. Système bioélectrochimique. Oui. Équilibre acido-basique. Oui. Cycle vitaux organique et systémique. Oui. Maintenant, on regarde le tableau général de tous les systèmes. Oui, elle fait des réajustements. Très bien. Maintenant, la séance d'ostéopathie générale. Oui, c'est comme un... C'est des équilibrages des systèmes les uns par rapport aux autres. C'est comme si elle était en train d'installer... Elle vérifie chaque équilibre, en fait. Les uns après les autres. Et elle repasse plusieurs fois pour vérifier que tout fonctionne en harmonie les uns avec les autres. C'est bon. Très bien. Micro-kiné. Oui, là, ça vient comme fixer, en quelque sorte, assurer le travail qu'elle vient de faire. Très bien. Maintenant, les chakras principaux avec les glandes associées. Chacune des glandes est décalcifiée, nettoyée, activée, reliée et optimisée. Oui, il retrouve de l'énergie. Elle les booste même. Sur chaque chakra, elle rajoute de l'énergie. Bien. C'est bon. Très bien. Alors, sur chacun d'eux, on installe une fleur de vie, une graine de vie et un double d'une liscate activée.
Oui. Chakra secondaire, idem. Oui. Chakra souterrain. Oui. Aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien tu en vois? Il y en a 7. D'accord. C'est bon. Et maintenant, elle va travailler sur son féminin sacré et son masculin sacré. Elle va déclarer que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans, d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec trace mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif et toute programmation, soit éliminée totalement, complètement et définitivement. 1, 2, 3. C'est fait. Et maintenant, elle va rééquilibrer ses polarités masculin-féminin et elle peut se servir de l'implant neutre. En même temps qu'elle les équilibre, elle les restaure. Très bien. C'est bon. Parfait. Alors, pendant que son élémental continue le travail, nous, on va prendre sa liste. Donc, elle parle d'accident de voiture et de moto. Bon, je suppose que ça a été provoqué par les entités. Regarde ce que tu peux dire là-dessus. Au cours de sa vie, il y a eu plusieurs tentatives de faire comme des sortes de blackout, en fait. De remise à zéro pour avoir le contrôle total sur elle, qu'elle oublie qui elle est. D'accord, ok. Comme des chocs. Ok, donc suite à cet accident, elle a eu des problèmes cervicaux. Donc là, maintenant, je pense que tout est réparé. Oui. Alors, son élémental peut éventuellement mettre un coup de booster à chaque point que je l'ai cité. Hein, voilà, pour que physiquement, ce soit plus rapide. Donc, problèmes cervicaux, elle a une ablation donc à l'utérus. Non, elle a donc problème d'utérus, ablation du sein gauche, donc du mamelon, exactement, du sein gauche. Non, c'est pas une ablation. Voilà. De toute façon, bon, même tout travaille dessus, de toute façon. Hein. Donc, elle a eu une appendicite, regarde s'il y a des fuites ou autre. Enfin, tout est. Luxation à la hanche. Pareil, il fait ce qu'il faut. Oui, à chaque fois, elle a ce faisceau d'énergie qu'elle dirige, plus précisément comme une mise en lumière voilà. À chaque élément cité, comme une vérification, puisque le travail de fond, lui, est effectué. Alors, elle a eu un pneumothorax. Oui. Donc, douleur au genou gauche. Elle se demande si c'est de l'arthrose. Regarde ce que c'est à son genou gauche. Est-ce que c'est de l'arthrose ou pas? Il y a une dégénérescence au niveau des cellules. Osseux, tu veux dire? Je sais pas, il y a quelque chose au niveau du cartilage. Comme si les cellules étaient déviées dans leur fonctionnement, dans leur développement. C'est une réaction, en fait. En fait, d'une façon générale, il y a tentative d'écrasement sur elle. Et elle réagit comme elle peut. Et comme quand tu es écrasé par quelque chose, tu repousses ce qui t'écrase, mais ton corps ne va pas en ressortir toujours indemne. Mais tu as quand même sauvé l'essentiel, mais il reste des séquelles. Ça fait partie des séquelles. Ok, mais dans cette nouvelle ligne de temps, est-ce qu'il y a encore quelque chose? Non, là c'est ce que tu m'as demandé avant l'ancienne. Oui, c'était pour trouver, oui.
D'accord. Mais là, dans la nouvelle ligne de temps, il n'y a plus rien. Non. Est-ce qu'il a mis des cellules souches éventuellement pour réparer le système osseux et surtout cartilagineux? Oui. Très bien. C'est juste une vérification. Hein. Donc, elle a eu des anesthésies, plusieurs anesthésies générales. Je suppose que toutes les substances n'existent plus dans son circuit, dans ses circuits. Tout a été nettoyé. D'accord. Son adénome hypophysaire. Regarde si, bien sûr, ça a été travaillé. Regarde s'il peut mettre un coup de booster. Elle y dirige son laser d'énergie dessus, de dispersion, énergie de dispersion. Très bien. C'est bon. Très bien. Alors, elle a des implants aussi à la mâchoire. Donc, en haut des mâchoires. Je suppose qu'il a fait ce qu'il fallait pour isoler tout ça, pour Oui, reconnecter. quand elle a... L'énergie ne circulait plus. Il y avait littéralement des trous dans sa mâchoire, d'un point de vue énergétique. Mais là, je vérifie, tout recircule normalement. Et même ce qui n'est pas organique, biologique, on va dire. C'est neutralisé en quelque sorte, puisque c'est il y a comme une sorte de filet énergétique extérieur et intérieur au niveau des implants qu'elle a mis en place pour comme Neutraliser, neutraliser et remplacer, désactiver. c'est ça, oui. D'accord. Ça vient neutraliser, il n'y a plus de trous en énergie. Très C'est bien. comblé, comblé. Ok. Donc au niveau maux d'estomac, intestinaux, gastriques, donc tout ça est remis en place. Il n'y a plus rien. Ok. Hypertension, pareil. Il n'y a plus rien non plus. Thyroïde. Tout est correct, tout est rééquilibré. Je fais tous les circuits, mais tout est équilibré en fait. Très bien. Alors, regardez l'apnée du sommeil. Alors, regarde quelle est l'origine de l'apnée du sommeil. Parce qu'elle suppose que c'est la suite d'un poteau qu'elle s'est prise en pleine face, qui a dévié on va dire, sa fosse nasale. Regarde si c'est ça ou si c'est autre chose. C'est des conséquences, mais pas seulement au niveau physique. C'est-à-dire que c'est comme si elle recevait comme des sortes de claques ou de coups d'un point de vue énergétique, et dont certains ont des échos. Et à chaque fois, c'est provoqué. Donc, c'est ces sortes de coups énergétiques. Donc cette fois-ci, ça s'est traduit par ce choc avec ces échos. Mais ces échos servent aussi à la déconnecter. C'est comme en boxe, tu sais, quand on cogne, on cogne, on cogne, on cogne, jusqu'à ce que la personne perde connaissance et ne se souvienne plus de rien. Les anesthésies successives, c'est à la même fonction. C'est on veut désactiver de force pour réinitialiser. À chaque fois, la volonté qu'il y a derrière est la même. Mais ça marche pas en fait, parce qu'il y a toujours quelque chose de plus fort en arrière-plan. Son essence à chaque fois qui met en place des contre-mesures et elle résiste envers et contre tout. Elle a une énergie de vie puissante. Très bien. Alors, regarde maintenant pour cette apnée du sommeil, ce qui peut être fait pour l'éliminer complètement. Elle fait un apport de cette énergie de vie sur cette zone-là.
et ça vient se mettre à la place de. C'est-à-dire que le physique n'a plus d'importance, puisque ce qu'elle met en place d'un point de vue énergétique, ça prend la place de. Et là, la voie est libre pour la vie, pour l'air qui passe, très pour bien. La respiration. Alors, regarde ces ondes élémentales, regarde des habitudes, des mémoires ou autre chose de ce fonctionnement. Puisque quand une chose est faite depuis longtemps, il reste des habitudes. Il y a des programmes qui tournent tout seuls dans le mental. Alors, on élimine avec trace, mémoire et empreinte. 1, 2, 3, système duplicatif et reproductif. C'est bon. Très bien, puisque tu en es sur le plan mental, regarde toutes tes programmations, de quelque nature que ce soit, qui sont limitantes ou aliénantes. Il y en a beaucoup. Ouais, bah tu fais le package et on élimine tout avec trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif. 1, 2, 3, et sur tous les plans fractal, multidimensionnel et quantique. C'est bon. Très bien. Et là, pendant qu'on dit, regarde ces émotions aussi. Toutes les émotions qui sont liées à toutes ces programmations. Là aussi, c'est lourd. Allez, on élimine. Pareil, sur le plan quantique, multidimensionnel et fractal, avec trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif. 1, 2, 3. Tout élimine. C'est bon. Très bien. Alors maintenant, elle va se reprogrammer son mental maintenant. Elle va dire qu'elle est libre, qu'elle est souveraine, qu'elle est autonome, qu'elle est dans sa complétude et son entièreté, qu'elle a la puissance originelle en elle, qu'elle est cette puissance, qu'elle a une créativité illimitée, qu'elle a une santé parfaite, que tout fonctionne merveilleusement bien, qu'elle se sent en harmonie avec elle, avec la vie. Et avec le tous, tous et le tout. Oui. Et que les portes s'ouvrent à elle, toutes les portes sont ouvertes. Et que l'abondance coule facilement, agréablement et joyeusement dans sa vie. Oui, c'est fait. Très bien. Et maintenant, je veux qu'elle ressente les sentiments de ses déclarations. Il y a sa lumière qui grandit. Oui. Elle transmet ça à la cellule mère de son corps, qui va le transmettre à toutes ses cellules. Il faut que ce soit une sensation puissante, une profonde conviction. Oui. Comme une puissance tranquille en elle. Oui, c'est fait. Très bien. Alors. Donc, on revient au sommeil, à le sommeil qui est perturbé. Est-ce que c'est dû à cette apnée ou est-ce que tu vois d'autres types de perturbations? C'est en partie dû à cette cause physique, puisque ça cause une inquiétude à l'élémental du corps. D'une part, et d'autre part, il y a aussi tentative de l'atteindre dans ces états qui sont autres que ceux de l'éveil, de la conscience éveillée. Très bien. Est-ce qu'il reste quelque chose de cette inquiétude dans son corps, quelque part? Non. Plus rien. D'accord. Ok. Donc là, maintenant, tu vois qu'elle va pouvoir dormir tranquillement. Regarde son futur. Un sommeil paisible, avec une bonne respiration. C'est calme et serein. C'est bien. Ok, alors au niveau du foie, elle a des transaminases élevées. Alors je ne sais pas ce que c'est, mais regarde à quoi ça correspond. Et à tout, d'où ça vient surtout. Mais en fait, tout était en désordre dans son corps. Ouais. Bon, son élémental a fait ce qu'il faut. Ouais, oui, non, c'est vrai que c'est pas la peine de chercher les explications. C'est... Ok. Grosse grippe, fatigue, etc. Alors, elle a une toux, par contre, qui persiste depuis cette grosse grippe. Regarde,
Qu'est-ce que son mental peut faire pour que maintenant cette toux soit calmée immédiatement? Il apporte un faisceau d'énergie de guérison sur toute cette zone-là. Sur toute la cage thoracique, la gorge. Ça vient renforcer. Et ça fait, il vient monter en fréquence, en fait, pour aider. Ça permet de passer par-dessus. Et que le travail de guérison se fasse dans la facilité, la légèreté. Il peut mettre un baume apaisant, produire une substance antitoussive, puisque la pharmacie est à l'intérieur de soi, s'il peut déclencher tout le système bioélectrochimique. Oui, une sorte de calme. Sur toute la zone de sa gorge et dans sa poitrine. Bien. Et surtout, il y a une fréquence plus légère au-dessus qui s'est mise en place, qui aide. Très bien. Alors, il y a une perte de goût et une perte d'odorat. Bon, tout ça a été annulé et remplacé. On regarde si peu. Là, plus présentement. Tout est en train de se rééquilibrer. Très bien. Donc, pendant son anesthésie générale, il y a ce fameux dédoublement. Bon, on a vu d'où ça venait. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter à ça? Non, c'est ce qui a été vu tout à l'heure. Ok. Bon, le fait qu'on lui a enlevé son bébé à la naissance, ben, je suppose que ça fait partie du système pour la frustrer et pour créer de la souffrance. Est-ce que tu confirmes? Oui, parce que ça empêche, c'est fait dans un but bien précis, d'empêcher que qu'il y ait ce lien mère-enfant puissant qui se crée. À ce moment-là, précisément, il y a la création de ce lien particulier. Et quand l'enfant est enlevé à la mère, ça empêche la création de ce lien. D'accord. Ok. Alors, est-ce que c'est adéquat d'y revenir maintenant à cet événement et de recréer le lien? Oui. Eh bien, on va y aller. On y retourne. Au moment de cette naissance. On va mettre un dispositif qui va empêcher que ce lien soit rompu. D'ailleurs, elle va le faire elle-même avec l'énergie de son essence. Tu sais, le fait d'enlever ce lien, ou d'empêcher qu'il se crée, ça crée un vortex, un gouffre de souffrance sans fond. C'est ça. Et qui reste actif en arrière-plan, aussi bien chez la mère que chez l'enfant, même une fois l'enfant devenu adulte. Et ça vient en quelque sorte comme pourrir les relations. Bien sûr. Mais oui. Ok, alors donc on est à ce moment-là, juste avant que ce lien soit rompu, elle va déployer une énergie et faire en sorte que rien de tout ça ne puisse arriver. Oui, c'est une énergie d'amour qui enveloppe, qui construit, qui crée, qui garde. Qui maintient une onde d'amour qui se met en place. Très bien. Et elle va remonter toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant. Oui, c'est fait. On va éliminer l'ancienne ligne de temps avec toutes les mémoires akashiques dans les mêmes conditions que celles précitées du protocole d'élimination. Donc je compte à 3 et tout est éliminé. 1, 2, 3. C'est fait. Et cette nouvelle ligne de temps est entourée d'énergie issue de sa propre source pour la protéger.
Oui. C'est bon. Très bien. Ok. Alors, une autre question, elle se demande pourquoi elle atterrit dans cette famille avec des parents absents, abusés sexuellement par son père. Regarde, qu'est-ce qui s'est passé tout ça avec des dévalorisations, des rabaissements, des noms d'amour. Qu'est-ce qui peut lui être dit là-dessus? Ça fait des années qu'elle est sur cette branche. Je veux dire des années, des vies, des incarnations. Ah oui, elle est plus en vie dans les mêmes branches. Mmh. C'est des croisements et des recroisements. Mais ça n'est pas de son choix. Ça vient du c'est la mise en situation, la mise en condition quand elle a été captée et comme placée là pour l'affaiblir encore plus, pour la pour enlever toute motivation, même jusqu'à tout désir de vivre, pour l'écraser, pour l'affaiblir, l'étouffer, l'annihiler. Et ce père abuseur, tu le vois comment? Est-ce que tu le vois comme un portail organique? Comment est-ce que tu le vois? Je vois juste l'enveloppe et une ombre à travers lui. Je ressens pas son étincelle. Il n'y a pas d'essence dedans? Non. Et sa mère, comment tu la vois? C'est son étincelle, elle est presque éteinte, comme si elle avait renoncé. Mais elle, je vois son étincelle, mais presque éteinte, okay. Asphyxiée. Fais l'avenir. Avec son fils d'ailleurs. Fais l'avenir avec le fils de Joël. Oui. Très bien. Comment tu la vois, sa mère, alors? Elle a presque renoncé. Bon, montre-lui le travail qu'est en train de faire sa fille. Et demande-lui si elle accepte que nous l'aidions. Oui, mais elle s'est déjà presque noyée, en fait. Oui, mais il dit que c'est jamais trop tard. Tant qu'il reste une étincelle, c'est possible. Oui, elle a pris la main qu'on lui tend. Très bien. Alors, proposer de se connecter à son essence. Si elle ne sait pas faire, tu peux l'aider. Oui. Et à s'enraciner jusqu'au cœur de Gaïa, juste pour cette existence. Sa lumière a retrouvé de la vigueur et de la clarté. Très bien. Donc elle aspire d'énergie sur les deux plans et elle se ravigore totalement. Elle retrouve sa flamme et sa puissance. Et sa conscience, évidemment. Oui. C'est bon. Maintenant, elle regarde son arbre généalogique et son ADN. Elle regarde comment ça a fait sa fille et elle fait la même chose. Et pour le reste du travail, elle regarde ce qui a été fait et ce qui va être fait et elle s'approprie ce qui est bon et juste pour elle. Mmh. Oui. Elle est OK? Oui. Et nous la retrouvons pour la douche finale. Oui. Alors regarde son fils, le fils de Joël. Comment tu le vois, lui? Il y a comme un dard, quelque chose de pointu, de blessant, qui le traverse. D'où est-ce qu'il vient, ce dard?
Il a été installé au moment de sa naissance. Ok. Bon, demande-lui s'il accepte que nous l'aidions. Montre-lui le travail que fait sa grand-mère et sa mère. C'est derrière lui, tu sais. Et il essaye de l'enlever, mais il n'y arrive pas. Bah, demande-lui s'il veut que nous l'aidions. Oui. Bon, et bien voilà. Donc je compte à trois et tout disparaît totalement, complètement et définitivement. Avec trace, mémoire et empreinte. Et tout ce qui est en lien direct et indirect avec lui, qui le pollue, qui le limite et qui l'empêche d'être lui-même. 1, 2, 3, sur tous les plans, d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique. Mais ça a disparu. Alors maintenant, fais-le se reconnecter à son essence et s'enraciner. Il y a comme quelque chose de desséché, de fendillé en lui. Et en se connectant, ça, c'est comme une plante que tu arroses. Ça reprend vie. Oui. Très bien. C'est bon. Alors, bien connecté, bien enraciné, il prend de l'énergie des deux plans, il se ravigore, il se nettoie, il reprend de la puissance et il reprend sa souveraineté et sa conscience. Et oui. Surtout son amour, l'amour qu'il est. Oui. Très bien. Donc, tu lui proposes aussi qu'il regarde toute la séance qui a été faite et ce qui reste à faire. Et il fait la même chose, l'arbre généalogique, l'ADN, etc. Et avec tout ce qui a été dit et déclaré, ils peuvent se l'approprier tous les deux, sa grand-mère et lui, dans ce qui est juste et bon pour chacun. Oui. Alors, maintenant, comment tu le vois là déjà à ce stade? Il est en phase de... Il est en processus de réparation. D'accord. Ok. Bah, nous nous retrouvons en fin de processus. Pour la douche finale, s'il le veut. D'accord, tous les deux. Oui. Ok. Bon, on va continuer. Donc, bon, elle n'a pas été désirée à sa naissance. Bon, bah, c'est normal, ça fait partie du processus. Hein, elle sait pourquoi. Alors, elle a fait, avec ses compagnons qu'elle a eus, donc elle a bien sûr, il y a eu des répétitions. Hein, toujours objet d'abus sexuels, d'abus de toutes sortes. C'est des programmations. Également, c'est des programmations qu'elle exécute. Voilà. Ça se fait, ça passe par-dessus sa conscience. Ce sont simplement des programmes qui s'exécutent. Ouais. Donc là maintenant tout est éliminé, il n'y a plus rien. Hein, une ligne de temps. Ça n'a jamais existé. Elle est sur du neuf. Le père de son fils aussi, qui est agressif verbalement et physiquement avec elle, qui a été agressif. Donc pareil, hein, c'est dans la même veine. Il n'y a rien à rajouter. C'est la même chose. C'est tous des portails organiques. Il n'y a presque pas de flamme. J'arrive à peine à les percevoir, les flammes, elles sont étouffées. D'accord. Ok. Bon, et dernier point, donc elle a une hypersensibilité envers la maltraitance des animaux. Regarde d'où lui vient cette hypersensibilité. Il y a plusieurs choses en fait. Il y a des réminiscences de souvenirs d'autres plans, d'autres vies. D'autres manifestations d'elle-même. En tant qu'elfe, tout ça, fille et autres. Oui. Et tu sais, quand la situation est trop dure, sur le plan physique, elle va se réfugier dans ce double. Mmh. Et de ce double-là, elle voit... C'est comme si elle avait une seconde vue. Et elle voit ce qui se passe sur tous les plans. Et elle voit ce qui se passe sur
sur ce qui est fait et sur ce que subissent tous les êtres vivants sur le plan terrestre. Et ça en résonance avec sa propre souffrance à elle. Très bien. Mais ça, bien sûr, c'est dans l'ancienne ligne de temps. C'était oui. juste pour comprendre. Aujourd'hui, ici et maintenant, il n'y a plus rien de tout ça, bien sûr. Non, elle garde ses affinités avec le monde animal, mais ça n'est pas couplé à de la souffrance. Très bien. Appelle ces chats pour voir combien t'en as de chats. Fais-moi signe. Trois? Je vois pas. Trois, c'est ça. Appelle ces trois chats. Ils ronronnent. Comment tu les vois? Ils ronronnent. Demande-leur s'ils veulent s'exprimer. Ils ont l'occasion de s'exprimer là. Est-ce qu'ils veulent dire quelque chose à celle qui leur sert de maîtresse? C'est comme s'il l'avait choisi parce que justement il y a cette affinité. Ils arrivent à se comprendre mutuellement et c'est pour ça qu'ils sont là. Et ils aiment, ils apprécient son énergie. Demande-leur s'ils ont des besoins quelconques qu'ils peuvent exprimer là. Ils servent aussi de passage et quand de passage émotionnel et ce qui pourrait leur rendre leur existence plus légère, c'est qu'elle soit plus sereine, qu'il y ait moins de flot. De souffrance qui passe parce que ce sont eux, ça passe par eux. Oui, ils récupèrent tout. Mmh. Bien sûr. Eh bien, écoute, c'est ce qui va se passer maintenant. Hein? Oui. Très bien. Voilà. Ok. Bon, eh bien, ils peuvent rester avec nous pour la douche finale s'ils veulent. Oui, c'est comme s'ils absorbaient comme des éponges, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est les chats. Hein. Ouais. Ils prennent tout ce qui est négatif. Ils le prennent sur eux. Ouais. Est-ce que c'est bon? Oui. Alors maintenant, on va couper et désactiver le numéro d'INSEE. Partout où il se trouve, avec duplication et copier-coller. Elle ne conserve que ce qui peut lui être utile. 1, 2 et 3. C'est fait. Elle coupe et désactive avec toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang, dans le corps d'autres personnes, des ongles, cheveux, ADN, etc., cellules, sur tous les plans, dans toutes les vies, dans toutes les dimensions et toutes les fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique. 1, 2, 3. C'est fait. Elle coupe, désactive et élimine ce qui peut l'être, tout ce qui était à l'intérieur de tous ses corps, subtil et physique. Tout ce qui n'appartient pas au corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations. 1, 2, 3. C'est fait. Couper, désactiver et éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. Oui. Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur une fleur de vie, une graine de vie et un double lémniscate. Oui. Qu'est-ce qui se passe quand elle fait ça? Ça se déploie. Il y a un déploiement qui se fait, mais ça se fait de façon fractale, en fait, à l'intérieur d'elle. Très bien. Connexion à la grille cristalline. Oui. On vérifie toutes les présences qu'on a invitées pour le protocole. Elles sont toujours là? Oui. Très bien. Donc, tout le monde le fait? Oui. Parfait. Connexion à la grille magnétique originelle? Oui. Connexion à la particule adamantine originelle? Oui. Connexion au soleil central? Oui. Activation de l'implant neutre.
C'est fait. Processus de rajeunissement. Oui. Elle va activer la particule divine dans son cœur, qui va déclencher la fameuse fontaine de jouvence énergétique. Ça fait une fontaine de lumière. C'est bon. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. C'est activé. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui. Et elle va programmer donc ce processus dans la permanence et l'équilibrage. Oui. Processus de guérison instantanée. Partout, il y en a besoin. Que ce soit pour ses articulations, là, enfin, etc., tout en a besoin. Elle place sa conscience dans son espace morontiel. Mm-hmm. Elle fait descendre l'information, l'énergie et les codes jusque dans là où les parties bloquées et à réparer. C'est fait, l'information originalier. Elle active l'arbre séphirotique dans les deux sens. Oui. Elle installe fleur de vie, graine de vie et double lemniscate activée. Oui. Très bien. Et maintenant, on va lui faire le boom rajeunissant, le boom lifting. Oui. Elle va y mettre des cellules souches. Oui. Elle va y mettre de l'eau primordiale. Oui. Une fleur de vie, une graine de vie. Et un double lemniscate qui active le tout. Oui. Elle va s'en mettre dans les cheveux et dans tout le corps jusqu'au bout des pieds et des doigts. C'est à la fois calmant et énergisant. C'est bon. Très bien. Ok, elle peut le programmer aussi pour être permanent. Et permanent et équilibré à chaque fois, doser un bon dosage équilibré à chaque fois. Oui, parce que ça peut pas être. Il faut le doser. Pas que ça soit trop fort. Oui. C'est ça. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'il y a un équilibrage qui s'adapte à chaque instant. Mais là c'est bon. Très bien. Tu vas regarder son ADN. Et tu vas me dire combien est-ce que tu as de brins d'ADN de connecté. 8. Combien il y en avait avant la séance? 4. Parce qu'il y avait un... C'était écrasé. Est-ce qu'elle peut en rajouter d'autres? Là, l'équilibre est correct. Très bien. Qu'est-ce que ça va changer pour elle? Ça maintient en place son espace de réalité où elle est calme, sereine. Ça me parle d'antenne. Son antenne est libre, dégagée, et ça lui permet de recevoir les communications dont elle a besoin. Ça permet de maintenir cet état fréquentiel. Très bien. Combien est-ce que de temps tu vois pour l'intégration totale de cette séance? 6 à 7 mois. 6 à 7 mois, mais est-ce que tu vois des effets immédiats? Ça fait comme des poussées. Ça fait comme les vagues de l'océan, en fait. Tu sais, avec des flux et des reflux. Donc, il va y avoir des poussées, des flux d'exaltation, de joie, de bien-être. Et puis des périodes de reflux avec une sorte de nostalgie et comme d'observation
des états antérieurs de souffrance et de regret, et presque à se demander si elle les étudie et elle se demande si elle veut les reprendre ou pas. Et puis elle les lâche et ça repart à nouveau vers un nouveau flux. Okay. C'est comme une respiration en fait. Donc souviens-toi bien que dans des moments qui peuvent être douloureux comme ça, où tout semble revenir en arrière ou même se dégrader, souviens-toi que c'est le processus qui veut ça. Et surtout pas dramatiser, pas mettre en doute, pas de scepticisme au contraire. Si c'est inconfortable, tu te concentres dessus, tu portes ton attention, tu l'accueilles complètement. Et même une énergie de gratitude, ça ne fait pas de mal, sachant que c'est pour une libération et de la guérison. Ok. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui. Très bien. On va entourer son ADN d'un filet d'énergie issu de son essence, d'une double spirale. Oui. Très bien. Alors, avant la douche finale, j'ai proposé tout à l'heure qu'on fasse une méga déflagration avec tous les êtres qui sont en lien, de toutes les dimensions, de tous les plans, sur les plans multidimensionnels et quantiques, terrestres oui. ou autres. Mmh. Ça doit faire du monde. Oui. Alors, donc tu leur transmets l'information. Donc, de cumuler suffisamment d'énergie. Et lorsque tu sentiras que tout le monde est prêt, tu me le dis, je compte à trois et on explose tout. Que ce soit de la matrice, que ce soit tous les systèmes de prédation, que ce soit le monde archontique. Il y a plusieurs plans de concernés. Voilà. Donc, tous les plans concernés, hein, connus et inconnus. C'est bon. Très bien. Alors, je compte à trois. Et à trois, c'est une méga explosion sans précédent. Il faut qu'il y ait des retentissements comme il n'y en a jamais eu. Un. Deux. Trois. Il y a comme un grand éclat de soleil. Un grand flash. Ça fait comme un saut, comme le passage d'un état à un autre. Il y a eu comme un saut, comme un saut de lumière. C'est-à-dire que c'est comme si une étape avait été franchie. Très bien. Alors, comme nous avons vu que ce genre d'opération a des conséquences, ça tombe sous le coup d'une loi de conséquentialité qui peut se retourner contre nous. Donc on va effacer cette loi de conséquentialité sur tous les plans, d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique. Je compte à trois et on élimine tout. 1, 2, 3. Le contre-coup de la vague noire s'est dissous. Très bien. Est-ce que tu vois d'autres choses de tout point de vue, prendre l'information, qui devrait être fait également? Stabilisation. De quelle manière? Je sais pas, mais je sens que ce flash, comme tout flash, est instable. Et qu'il faut stabiliser. Alors, prendre l'information, regarde comment ça peut être stabilisé au plus haut mieux. C'est comme un accord. Il faut qu'il y ait un accord entre les plans pour que cet état-là soit maintenu. Parce que c'est comme un système de jeu de domino, tu sais, si... Un équilibre. D'accord. Si un des plans rompt l'équilibre, c'est tout qui retombe. Donc il faut qu'il y ait
un accord entre les plans pour que cet équilibre-là soit maintenu. Alors, on demande l'accord à tous les plans. Ah oui, c'est bon. C'est bon? Ok. Alors, allons-y. On crée donc la stabilisation et l'équilibre. Oui. Et... c'est en fait une phase essentielle parce que je vois que des flashs, il y en a eu. Mais quand c'est pas stabilisé, c'est tellement pas. Voilà, c'est tellement mouvant en fait que ça repart après. Ok. Alors on va faire une autre chose. Sur tous les plans de réalité, sur le plan multidimensionnel, fractal et quantique, nouvelle ligne de temps, etc. On va enrouler tout ça d'un faisceau d'énergie issu de la source des sources, en double spirale. Oui. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Eh bien, allez. C'est bon. Très bien. Bon, eh bien, on va regarder son domicile. Oui. Comment tu vois chez elle alors? Ça, c'est neutre, mais avec... il y a comme des dépressions. Mais ça vient d'elle, en fait. Et à chaque fois... C'est restabilisé. C'est dépression restabilisée, dépression restabilisée. Restabilisé par qui ou par quoi? C'est chat. Ah, d'accord. Ah, ils sont forts. Bon, allez. Regarde si ton domicile est placé sur des ordres géobiologiques ou des désordres énergétiques, perturbations. Il y a des perturbations, mais c'est pas naturel. Ça vient d'où? Ça vient des ondes électromagnétiques. C'est comme si l'ensemble baignait dans une sorte d'électromagnétisme ambiant qui vient déstructurer. Ça vient comme déstructurer l'atmosphère. Est-ce que tu as un compte en ligne qui? T'as un compte en ligne qui ou pas? Oui? Au-dessus? D'accord. Ok. Des antennes? Mais t'as un compte en ligne qui ou pas? Oui, aussi. Voilà. Compte en ligne qui et antennes. Ils sont gâtés. Mmh. Donc, elle va déjà faire une grosse tornade pour tout nettoyer. Elle nettoie les chats aussi. Hein. Hop, hop, hop. Mur, plafond, sol, meuble, objet, tout y passe. Tout ce qui était intérieur. Nettoyer, purifier. Oui, c'est bon. Elle place partout des fleurs de vie. Plaque Tesla, graine de vie et double. Lemniscate activé. Oui. Le compteur Linky, tu la mets dans une coque multicouche jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'influence. C'est fait. Très bien. Sur le compteur, tu mets un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Oui. La multicouche, tu vas la programmer pour être permanente dans le temps. Oui. Très bien. Maintenant... sur le diamant, tu mets fleur de vie, graine de vie, double lemniscate activé. Oui, mais c'est comme s'il fallait les plus larges parce que, en fait, depuis que je suis sur son lieu de vie, ça me donne mal à la tête. Oui, oui. On va faire le compteur général de l'immeuble et on va faire les antennes. Mmh. Toi, tu renforces tes protections. Hein. Oui. Donc, le compteur général de l'immeuble. Oui. Peut-être même celui qui est à l'extérieur, là, qui est le général, tu vois. Tu peux le,
Déjà, je vais mettre dans une coque multicouche qui n'ait plus de radiation. Tu émets des gros diamants sur chacun. Oui. Qui transmettent l'énergie électrique en force de vie. Oui, c'est fait. Flore de vie, flore de vie, graines de vie et double lemniscate sur chacun des contours extérieur et général de l'immeuble. Oui. Et maintenant, sur le toit, toutes les antennes, regarde combien il y en a. Tu les enveloppes toutes d'une coque. Il y en a trois, toutes enveloppées de coques. C'est fait. Programmées pour être indestructibles. C'est fait, c'est mieux. Très bien. Maintenant, sur son plafond, on met un gros boîtier. Non, elle m'a l'air dans sa chambre aussi. Un gros boîtier qui va filtrer l'air et une nanotechnologie. Oui. Qui va produire l'effet Niagara avec les embruns, la fraîcheur, le pouvoir régénérant et ravigorant. Oui. Très bien. Qui va émettre un son et un parfum qui vont se moduler en fonction des situations et des besoins. Le parfum, c'est un parfum délicat d'églantine. Et il y a des chants d'oiseaux. C'est bon. Très bien. Et maintenant, elle met tout ça dans une bulle christique. Elle protège son logement dans une bulle christique. Et l'appareil multicouche anti-ondes. Oui. Elle remplit tout son espace de son énergie. C'est fait. Et elle se met et les sécha dans des bulles christiques. Oui. Très bien. Bon, on va appeler son soi supérieur, lui demander ce qu'il pense de ce qui a été fait. Il y a un flot puissant. L'information qu'il transmet, c'est flot puissant de libération. Bien. Et ça circule entre sa partie physique et son soi supérieur. Ça circule. Librement. C'est libre. Est-ce qu'il veut lui dire quelque chose pendant qu'elle l'écoute ? Qu'elle a réussi à libérer ce flot puissant de libération. Et c'est ce qu'il attendait depuis longtemps, qu'elle trouve la force, le moyen de soulever ce couvercle, de le désintégrer, et c'est fait. Très bien. Appelle son âme. Elle est là avec elle, sereine et tranquille, et elle est en communication, c'est la première fois que je vois ça, elle est en communication avec les chats. Ah oui. Ils se transmettent des informations. Très bien. Et qu'est-ce qu'il se raconte alors ? Je sais pas, parce que il chuchote. C'est comme si ça ne nous concernait pas. Ah bon, bon. On va les laisser dans leur confidentialité. Hein. Très bien. Nous allons bientôt prendre le chemin du retour. Avant ça, nous allons saluer tout le monde dans cette nouvelle ligne de temps, dans cette... ce nouveau partenariat et cette nouvelle version de Joël. Hein, et nous allons redescendre nos fréquences avant la douche finale. Oui, c'est bon. Nous réancrer. Oui. Et maintenant, recréer l'équilibre sur les deux plans.
Ah oui, c'est fait. Alors, est-ce que tu veux la régénération? Non, c'est pas la peine. Non? T'es sûr de toi? Oui. Ok. Donc, on va appeler tout le monde pour la douche finale. En fait, elle m'a entraînée dans son flot puissant de libération. Alors, chacun trouve son portail. Donc, son enfant, sa mère, tout ça, tous ceux qui ont participé ici, les chats. Chacun trouve son portail et sa cascade. Et sous oui. cette très, très haute fréquence qui est faite de sons, de lumière, de couleurs, d'énergie, de rayons, de parfums, de géométrie et d'informations originelles, chacun peut ressentir cette eau à l'intérieur, sur et autour de soi, et la savourer totalement. Oui. Très bien. Maintenant, dans la cellule lumière de chacun, on installe une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. Oui. Et maintenant, on termine par la douche christique, or, diamant et bleu. Oui, c'est fait. Très bien. Alors, avant de retourner, chacun à sa place respective, demande à son fils si il veut s'exprimer envers sa mère. Ce qu'il lui dit, en fait, c'est que c'est pas de sa faute. C'est comme si quelque chose prenait la parole à sa place, agissait à sa place. Et c'est pas ça qu'il veut, c'est pas ça qu'il voulait, et qui il est tellement désolé de lui faire du mal, c'est malgré lui, c'est contre lui, parce que lui il a ce pic de, il avait ce pic de souffrance, c'était avant. Derrière lui, oui. Mais maintenant, c'est plus là, c'est apaisé. Très bien. Et ça, les relations sont apaisées aussi. Qu'est-ce qu'elle lui répond alors? Alors, c'est même pas en termes de mots. Il y a, tu sais, ce cordon installé au moment de la naissance. Oui. Et ça, c'est plus fort et plus puissant que jamais. Et ça transcende tout, en fait. Et c'est de l'amour qu'elle lui transmet. Il y a de l'amour qui passe entre eux. Il peut en profiter pour se prendre dans les bras? Se dire tout ce qu'ils ont envie de se dire, même si c'est pas partagé. Ça peut pas être partagé. Non. Et c'est de toute façon au-delà des mots. Mais c'est puissant. Très bien. Et sa mère? Est-ce qu'elle veut s'exprimer? Elle lui demande pardon. Elles se prennent dans les bras l'une l'autre. Elles ont compris que tout ça, c'était les interférences qui avaient créé ces situations. Oui. Qu'il n'y a pas de responsable ou de coupable. C'est comme si tout le monde était victime d'un jeu pervers et manipulateur. Mais c'est plus le cas maintenant. Très bien. Alors chacun peut sortir de cet endroit, fermer le portail derrière soi. Et retourner à sa place respective. Oui. Est-ce que tu es prête pour le retour? Oui.
Et 5, tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Comment ça va? Bien. Bien? Bon, allez Joël, tu peux remettre le son. Ben oui, c'est ce que j'ai fait. Ben non, parce que la barre, elle est en... Ah, pardon, excuse-moi, je suis... Tu m'entends? Voilà, voilà. Alors, que d'émotions. Que d'émotions. Je ne sais pas si je sais pas, tu vas me mettre sur, sur mon image, hein, parce que j'ai trop pleuré. Ben, c'est pas grave, tu sais, c'est... À moins que tu aies honte d'avoir trop pleuré, autrement. Ben, c'est-à-dire que pour les autres, c'est gênant, quoi. Ah non, non, les gens, au contraire, ils aiment bien avoir... Ben, ce qui se passe justement pendant le travail, tu vois. C'est toi qui vois, je ne veux pas te forcer, hein, tu me diras. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce qui a été fait? Qu'est-ce que tu as ressenti? C'est magnifique. C'est magnifique parce que c'est vrai que tout est vrai dans ce que Elisabeth a ressorti. Tout non, est vrai. C'est Emmanuel. C'est pas, c'est pas grave, c'est Emmanuel. Elisabeth, ah, Antoinette. C'est pour la même lettre. Écoute, je suis contente, vraiment, je suis vraiment contente. Et je vous remercie beaucoup parce que je sais que je vais être bien maintenant. Oui, je suis libérée. Je suis vraiment libérée. Très bien. Voilà. Donc, bon. Merci pour tout, vraiment. Bon, tu connais le conseil, hein, revoir ta vidéo, bien ouais. La revivre. Ouais. Il y a beaucoup d'informations. Hein. Oui, donc, serre-toi-en. Oui. Oui, vraiment, je ne sais pas quoi dire, je suis émue. Mais, donc, t'as tout dit. Mais merci, merci pour tout, vraiment. Donc, souviens-toi. Hein. Et c'est pas le hasard si on s'est vu. Voilà, alors que je défilais des vidéos, je ne te voyais pas, et un beau jour, un beau matin, je suis tombée sur toi, c'est pas un hasard. Ah, le hasard n'existe pas, tu sais bien. Ah, non, ben oui, mais comme quoi, tu vois, il fallait que je passe par vous. Je vous en remercie vraiment. Je t'en prie. Donc, en tout cas, souviens-toi, hein, quand les inconforts vont arriver, souviens-toi que c'est normal. Hein. Ça D'accord. risque d'être très désagréable. Ce n'est pas sûr, mais ça peut. Hein. Surtout, ça peut. Ouais. Surtout, souviens-toi-en. Hein. Tu te mets un bon pense-bête, d'accord? Excuse-moi. Demande-lui quelles sont, enfin, ce que tu peux recevoir, toi, comme conséquence désagréable. Oui, elle me demande si, qu'est-ce que je peux recevoir non, mais, comme conséquence désagréable. Bah, Emmanuel te l'a dit tout à l'heure. Oui. Des états émotionnels. Voilà. C'est voilà. Ça, tu réécoutes ta vidéo, c'est marqué, c'est tout. Hein, tout voilà, c'est des hauts et des bas, quoi. C'est les vagues. Voilà. Hein. Des flux et des reflux. Bon, voilà. Des reflux. Ça recule pour aller plus loin devant, tout simplement. Ouais. Hein. Dis-moi, Pascal, ma copine serait. Alors, attends, je vais. Juste une session. Chose avant. Attends, une chose. Je vais couper l'enregistrement. Tu acceptes donc que ce soit publié alors? Oui, 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 on va publier. Tu veux le flouter ou pas alors? Non. Non, on ne va pas flouter, non. Ah, bah super, tant mieux. Merci à toi et merci à Emmanuel. Merci. Merci beaucoup. Je vous embrasse.